Quand on regarde le showbiz de loin, on voit les paillettes, les invitations à Cannes et les desserts offerts au McDo. Ça fait rêver. Alors qu'en vrai, pas mal de stars ont eu une vie pas fastoche et remplie d'embûches avant d'atteindre le succès, comme les stars qui ont frôlé la mort ou les acteurs dont la vie a été foutue en l'air par un film. Sans parler des célébrités qui ont bien failli passer l'arme à gauche dans un accident grave. Est-ce que la vie ne tiendrait pas à peu de choses finalement? Ce qui nous emmène à vous présenter dans cette nouvelle vidéo 10 célébrités qui ont survécu à des accidents balèzes. Alors comme d'habitude, bon visionnage. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Top, c'est parti! Travis Barker a survécu à un crash d'avion. En 2008, le jet privé du batteur de Blink-182 s'est écrasé contre une glissière de sécurité quelques minutes après son décollage de l'aéroport de Columbia aux États-Unis. Et si Travis Barker et DJ AM s'en sont sortis, les quatre autres personnes qui accompagnaient les deux artistes sont, elles, décédées. Brûlées au deuxième et troisième degré, les deux musiciens ont passé plusieurs semaines à l'hôpital. Et ce n'est que 13 ans plus tard, par amour pour Kourtney Kardashian, que Travis Barker est finalement remonté dans un avion. Mime. Jamel Debbouze a survécu après s'être fait happer par un train. Si vous connaissez un peu Jamel, vous savez que l'humoriste a le bras droit paralysé. Et l'histoire derrière ce drame est bien triste. En 1990, à la gare de Trappes, il s'est retrouvé happé par un train alors qu'il tentait de traverser la voie avec son ami, Jean-Paul Admet. Si ce dernier est décédé dans l'accident, Jamel Debbouze a survécu, mais a perdu l'usage de son bras et s'est retrouvé accusé d'homicide involontaire par la famille Admet. Tracy Morgan aurait pu perdre la vie dans un accident de la route. En 2014, la limousine dans laquelle se trouvait l'acteur a été percutée par un semi-remorque avant que la voiture ne fasse un tonneau et ne prenne feu. Cet accident a coûté la vie à l'ami de Tracy Morgan qui se trouvait également dans la voiture, comme 5 autres personnes. Tracy Morgan a, lui, vu son pronostic vital engagé et a subi des lésions cérébrales ainsi qu'une fracture de la jambe et des côtes. Morgan Freeman s'est retrouvé partiellement paralysé après un accident de voiture. En 2008, la voiture de l'acteur fait plusieurs tonneaux après un accident de la route au cours duquel Morgan Freeman est légèrement blessé. Ce dernier perd cependant l'usage de sa main gauche après l'accident et développe une fibromyalgie, une maladie neuromusculaire, qui l'empêche de jouer tous les rôles qui lui sont proposés. Si vous vous demandiez pourquoi il porte parfois un gant, vous avez... Jennifer a survécu à un accident de la route. En 2017, alors qu'elle et son équipe revenaient d'un concert à Bruxelles, Jennifer a été victime d'un accident de voiture. Le minibus de la tournée a en effet percuté une voiture sur l'autoroute, qui roulait à faible allure à cause d'un pneu crevé. Et si la chanteuse s'en est sortie indemne, deux passagers de la voiture percutée sont décédés dans l'accident. Bien traumatisant, ouais. Garou a deux doigts de trépasser dans un accident de voiture. En 2001, alors qu'il rentrait d'une soirée parisienne, le chanteur québécois s'est endormi au volant de sa voiture. Pas malin du tout parce qu'on sait qu'il ne faut pas prendre le volant quand on est trop fatigué. Cette erreur aurait pu lui coûter la vie, car après avoir raté un virage, le chanteur a fini par planter sa voiture dans une glissière, mais a réussi à s'en extraire juste avant que cette dernière ne prenne feu. On n'est pas passé loin de pleurer en chantant « Belle » au karaoké. Ingrid Chauvin a failli perdre la vie dans un accident de voiture. En 2003, l'actrice de Demain nous appartient a été victime d'un grave accident de voiture causé par un aquaplaning sur une plaque de gras qui a valu à sa voiture de percuter un autre véhicule garé sur la bande d'arrêt d'urgence. Et si personne n'est décédé dans cet accident, et c'est tant mieux, l'actrice s'est quand même retrouvée avec 5 fractures dans le dos, une hémorragie interne et est même tombée dans le coma. Cet accident lui a d'ailleurs valu de refuser une participation à Danse avec les Stars 20 ans plus tard. Gloria Estefan aurait pu perdre la vie dans un accident de la route. En 1990, un semi-remorque heurte, sur une route enneigée, le bus de tournée de la chanteuse qui heurte à son tour un tracteur. Si tout le monde s'en sort miraculeusement, la chanteuse finit,
elle, avec de sérieux dommages et fractures à la colonne vertébrale. Ce n'est qu'après s'être fait implanter deux tiges de titane dans le dos et avoir passé des mois en convalescence qu'elle peut remonter sur scène et sortir son album Into the Light, inspiré de cet accident. Orlando Bloom a survécu à une chute d'un immeuble. Lorsqu'il avait 19 ans, l'interprète de Legola est malencontreusement passé par la fenêtre d'un immeuble et est tombé de 3 étages. Dit comme ça, ça n'a pas l'air beaucoup, mais c'est suffisant pour finir complètement paralysé, voire pour trépasser. Suite à sa chute, Orlando Bloom a quand même subi plusieurs opérations de la colonne vertébrale et été en rééducation pendant de longs mois. Stevie Wonder. En 1973, alors qu'il se rendait dans une station de radio pour promouvoir son album Inner Vision, le chanteur a été victime d'un grave accident de voiture avec un camion. Touché à la tête, le chanteur a fini dans le coma pendant près de 4 jours et a mis plusieurs mois à se remettre de ce drame. Cet accident lui a également fait perdre temporairement l'odorat et lui a laissé une cicatrice sur le front.